Dès le moment où on a su que c'était la France, elle m'a directement appelé, elle m'a dit « Je sens que ça va passer ». Passe à gauche, à droite, fait une passe Arbon aveugle, passe aveugle dans le coin, shot à 3 points, elle fait 3-4 passes. En fait, elle avait égalé le record sur la Coupe du Monde, quoi. Là où vraiment ma sœur, elle a vraiment pris conscience que le basket était pour elle quelque chose d'important, c'est vraiment quand elle a commencé les équipes nationales, quoi. Et je pense que là, elle s'est dit, c'est le moment, je vais mettre tout pour le basket, quoi. Elle a été appelée directement en 4. Elle a grappillé des petites minutes. Et puis, au fur et à mesure, elle a pris du temps de jeu, elle a pris confiance. Après, elle a surfé sur la vague, je veux dire, de l'équipe qui était positive. Vu ce qu'elles ont fait ici, les 3 dernières campagnes, la médaille à l'Euro, puis la 4e place Coupe du Monde, ici la 5e place, tout est réuni pour que l'équipe se sente bien. Si tout ça, tout se met bien en place, elle se retrouve en JO. C'est quand même le point ultime. Ça permettrait au basket belge de faire un step plus loin. On est derrière notre nation, je veux dire, vous représentez vis-à-vis du monde entier la Belgique. On ne peut être que fier d'être belge dans ces cas-là, pour n'importe quel sport, et ici encore plus pour le basket. Mettre un point sur la carte au niveau de la Belgique pour dire, ouais, en fait, le basket en Belgique n'est pas si mauvais que ça, quoi. Sur la route de Tokyo, je vous souhaite de tout cœur de gagner ce tournoi pré-olympique et de retrouver votre niveau de la Coupe du Monde qui nous a fait vibrer pour que tous ensemble, on arrive à cet objectif de Tokyo 2020.